Hey, bonsoir tout le monde, c'est Sansaf, j'espère que vous allez bien les poulets. Aujourd'hui c'est pas une vidéo gaming qu'on va faire, c'est une petite vidéo que je fais parce que vous vous souvenez de la fille qui m'avait envoyé la box Geek and Girly, donc la box que je mets là, voilà la vidéo, tadam, où j'ai reçu plein de petits trucs trop mignons, dont ma princesse Chewing-Gum qui m'attend toujours là. Et oui, elle est toujours là. Et d'ailleurs, je suis con, j'aurais pu la mettre là. Cette fille en question a arrêté de faire des box et elle a commencé à faire des t-shirts et tout ça. Et en fait, suite à sa vidéo, on a continué à papoter un petit peu de temps en temps et elle m'a tenu au courant. Désolée, ta meuf qui se gratte le nez en mode. C'est mes cheveux là. Ils vont tout le temps dans mon visage et je sais pas ce qu'elle a. Elle, aujourd'hui, elle a décidé de. Regarde. Je te range? Eh ben non. Je te range? Eh ben non. Et en fait, comme on est resté en contact, et ben elle m'a dit un jour, tu sais quoi, je sortirai un t-shirt en enduré, je suis en train de travailler dessus, elle m'a montré les croquis et tout et j'étais là, oh mon dieu, ça a l'air trop cool. Et du coup. Ah oui, vous l'aurez remarqué, je filme avec ma webcam, c'est normal. Et du coup, elle m'a envoyé 3 t-shirts et je vous fais cette vidéo vraiment parce que j'avais envie de vous le montrer. En fait, elle m'a dit ça et le colis est arrivé aujourd'hui, donc je me suis dit bon, plutôt que de faire la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire ça maintenant. Comme ça, ça me laisse du temps aussi pour travailler sur mes autres vidéos parce que c'est pas qu'une vidéo par jour, c'est super dur et que je commence un petit peu à avoir un rythme décalé et que je dors très tard et que je me lève très tard et que du coup, je me décale dans ma vidéo. Donc là, c'est un petit peu le coup parfait, tu vois. Comme ça, je vous montre la vidéo et tout. Enfin, je suis quand même là, j'ai d'une amie, je vous montre un super t-shirt. Et moi, j'ai plus de temps pour travailler sur les autres vidéos. Bref, du coup, elle m'a envoyé un t-shirt. Yandere Simulator, le t-shirt pour mon copain, mais bon du coup bah Tony est pas là donc il pourra pas l'essayer, donc je vais faire l'homme viril en taille L du coup. Et elle m'a envoyé un pull de Noël, donc je ne vous les montre pas tout de suite, je vais d'abord lire le petit mot qu'elle m'a écrit. Oh non, j'avais pas vu. Ah, ah, pourquoi tu fais ça? Et attends, mais oups, mince. Pour ceux qui se souviennent, dans la première box geek, je sais qu'elle m'avait mis un petit mot avec ce petit truc là, et là comme c'est Noël, elle m'a envoyé, oh merci Elsa, c'est trop gentil. Décidément, je crois que je vais lui harceler pour avoir toutes ces box et tous ces t-shirts. Hein. Si à chaque fois elle m'offre des bonbons, vous savez tous très bien qu'on m'achète par la nourriture, moi c'est bien connu, non? Coucou, j'ai des Tony, je vous souhaite avec un peu d'avance un joyeux Noël! J'espère que ces modèles vous plairont et les tailles aussi. t'inquiète pas, si au pire ils sont trop grands, bah on grossira. De toute façon, c'est Noël, j'ai envie de te dire, enfin on grossit tous à Noël, donc finalement je finirai bien par rentrer dedans. Bisous à la communauté des poulets, voilà, elle vous fait plein de bisous, Elsa. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont 13, 12, 14 ans, etc. et qui n'ont pas forcément les sous ni la permission d'acheter des trucs sur internet. Donc pour vous, il y a un petit concours qui commence le 12 décembre. Je me suis dit comment je vais réussir à caser un 12, genre oh, c'est pour que vous le retenez en fait. 12 décembre, 12 décembre. Oh, en plus ça fait 12 du 12. Je suis sûre qu'elle a fait exprès. Bref, il y a un petit concours qui commence le 12 décembre où vous pouvez gagner des t-shirts et tout. Il y a le lien, je vous le mets là genre en premier, enfin ce sera le premier lien dans la description. Bon du coup. Il a l'air super grand. C'est pas que je suis super grande hein, pour ceux qui savent, vous savez quelle taille je fais. Enfin, pas de t-shirt, hein, mais je veux dire en hauteur, je fais une grande taille et tout. Donc voilà. Regardez! Le t-shirt Senpai Club avec Ayano en mode qui gribouille sur son cahier. Attends, parce que moi je regarde de mauvais endroit. Qui gribouille dans son cahier avec des trucs sur Senpai. Elle a une peluche Senpai. C'est pas trop mignon. Genre, regardez les petits posters au fond là. Ah non! J'avais pas vu, il y a un seau plein de sang là, dans le coin. Et il y a même. Ben, c'était de l'autre côté. Il y a même les couteaux et tout machin. J'ai fait exprès de mettre un body pour pouvoir mettre les t-shirts par-dessus. Parce que j'avais pas envie de me déshabiller, de me rehabiller, de me déshabiller. Donc du coup, j'ai fait ça comme ça. Moi, le problème, c'est que depuis que je suis youtubeuse, j'ai un peu pris la grosse tête. Alors c'est difficile de rentrer dans les t-shirts. Non, je déconne. Attends, parce que du coup, il y a mon body qui ressort par la manche. Ça, c'est pas beau par contre. Tu sais, t'as les jeans, c'est classe. T'as les shorts, c'est classe. Et puis t'as les pantacourts. Et ça c'est mon classe. Et là ma manche qui dépasse, c'est un petit peu le pantacourt des manches, tu vois. Je suis dans le Senpai Club. Ouais. Bon par contre j'ai mis une jupe qui va pas du tout. J'aurais pas pu mettre un jean, non tu vois, il a fallu que je mette une jupe. Vous savez quoi, je vais aller mettre un pantalon. Parce que là avec la jupe c'est vraiment, ça le fait pas, tu vois, genre parce que du coup il est un petit peu long. Et enfin voilà, je vais mettre un pantalon. Bon j'ai pas trouvé de jupe. J'ai trouvé un short de pouf. Mais bon c'est... Oh mon dieu, Sunset t'a changé, tu mets des shorts et tu as des décolletés. Quelle horreur. Voilà, ça va, on voit pas. On voit pas que c'est un short. On croit que c'est un jean, même si je me tiens mal parce que j'ai ma chaise qui me bloque derrière. Du coup, voilà, le petit t-shirt. Bon, moi je trouve qu'il va bien. Bon, il est un petit peu, il flotte un peu au niveau de mon bide. Mais ça, c'est toujours le t-shirt que tu fais en mode geek et tout. Alors là, je vais vous montrer le t-shirt que j'avais reçu pour mon copain, donc Tony. Du coup, il est en L celui-là. Bon, voilà. Je suis un petit homme geek d'affaires. Honnêtement, il est vachement sympa. C'est un petit t-shirt en mode pixel et tout. Genre la petite cravate pour les messieurs. Donc s'il y a des gars qui sont intéressés par ça, bah si vous voulez être des... Ça c'est le t-shirt qui veut dire je suis un homme geek, mais pas trop. Et du coup la dernière pièce c'est son pull de Noël. Alors je sais pas lequel je préfère entre le pull de Noël et le t-shirt Yandere Simulator. C'est vous dire donc il est trop... Bon là du coup c'est sur le thème de sa chaîne mais... Et sur le thème geek mais... V. Enfin je sais pas si vous voyez parce que du coup moi je vois que dalle là. Il est trop cool. Et il est trop beau parce que bon, j'essaie de le voir en même temps parce que c'est un peu compliqué. En
trop cool, c'est que la petite perso que vous voyez, c'est elle. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que elle, parce que du coup, il y a les manettes, il y a des chocolats de... des cadeaux de Noël, pardon. Il y a un gros truc, il y a le truc de Zelda, là, qui est là au fond, je sais pas si vous voyez le truc violet, là. Là, le petit coquin, là, il se cache. Enfin, il y a tout, il y a même la boule de Dragon Ball Z, tu sais. Genre, c'est trop cool, il y a même une Pokéball et tout, j'avais pas vu ça. C'est des tout petits... il y a un truc que j'arrive pas... Ah, c'est l'ocarina, et c'est un cœur de vie, le truc bazar, là. Attends, je vais le mettre. Parce que du coup, celui-là, c'est un pull que je vais porter, mais genre tout le temps, tu vois. Enfin, bon, enfin non, parce que je me lave quand même, mais je veux dire... Attends, par contre, la question qui se pose, c'est comme je suis grande, c'est... ça va, parce que j'ai de... comme je suis grande, l'ennui, c'est que j'ai des bras qui font 15 mètres de long, et du coup, ben, souvent, les pulls, ils font genre ça, tu vois. C'est après, ça fait genre la meuf qui achète ses vêtements en rayon enfant, genre, je crois que je suis une Barbie. Et pour le coup... ah, mais ma chaise m'énerve, casse-toi. Et pour le coup, honnêtement... il est bien. Il va un petit peu sur les fesses et tout. Tu vois, c'est pas le genre de pull qui révèle ta raie du cul à tout le monde. Genre là, il y a le haut de mon short et il va jusque là. Moi, j'adore. Mais derrière, je crois qu'il y a rien. Non, il y a que dalle. Attends, ah si. Et il y a, comme pour l'autre, marqué Geek and Girly derrière. Bref, voilà, j'ai fait le tour et j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu la vidéo en attendant les autres vidéos et surtout pour aider mon amie parce que franchement elle fait du bon taf et en plus elle est super gentille donc du coup je pouvais pas, tu vois, je peux pas dire non, tu vois, déjà elle fait des travaux d'une autre donc moi je peux garder ça du coup, mais non, c'est à moi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que les articles vous ont plu. Si c'est le cas, bah en tout cas, de toute façon, je vous mets tous les liens genre dans la description. En tout cas, n'oubliez pas qu'il y a le concours pour gagner les t-shirts que vous voulez qui commence le 12 décembre. Attention, 12 décembre comme au début de la vidéo. Bah moi j'espère que la vidéo vous a quand même plu et qu'elle vous a permis de patienter jusqu'à demain parce que demain on se retrouve avec une prochaine vidéo et que je vous fais d'énormes bisous et que je n'arrive plus à articuler. Ciao!